A fim da manifestação de interesse, sim, é o assunto de hoje, muito, importante que nós vamos falar. É também outra das razões pelas quais nós dizemos que Portugal precisa de imigrantes. Como dizia o senhor primeiro-ministro, é preciso acabar com a ideia, os microfones públicos, de que há uma relação entre aumento de imigrantes no país e aumento de crime. Existem hoje dificuldades, problemas nas regras de entrada, um sistema chamado de entrada por manifestação de interesse que está a criar dificuldades sérias porque parte de uma entrada ou sem cuidar de a entrada ser legal ou regular. E cria uma situação que nós hoje vimos, de um limbo indigno para milhares, centenas de milhares de seres humanos. Salut, bem-vindo a todo mundo. Nós estamos sur nossa chaîne G28. Vocês me conheceram já. Por moi, eu sou Joel, então soyez le bem-vindo. Então, hoje, nós vamos falar de ce que está em trédex classe. actuellement au Portugal. Oui, le sujet est très très important où tout le monde, même moi aussi, j'ai déjà passé par là. Donc c'est quoi c'est le sujet de la manifestation d'intérêt. Donc vous avez vu pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais même publié ça. Donc c'était vraiment très très éclaté ici au Portugal. Si vous venez au Portugal, vous connaissez déjà donc la situation. Si vous êtes ailleurs, donc ça sera mieux de connaître parce que ça vous concerne. Vous avez votre projet de venir ici au Portugal. Ça vous concerne et cette vidéo sera vraiment très courte pour vous expliquer tout ça alors qu'est ce qui se passe vous connaissez pour ceux qui ne connaissent pas encore la manifestation d'intérêt je vais faire une brève euh, explication sur la manifestation d'intérêt en donnant l'exemple la manifestation d'intérêt c'est lorsque moi par exemple je vis en France et je suis illégal. Je n'ai pas de documents. J'appelle Joël, je veux venir au Portugal. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir le papier? Moi, je vous dis, bon, venez, vous allez chercher justement le travail. Si vous obtenez un contrat de travail, là, vous allez faire la manifestation d'intérêt pour obtenir votre document ou le papier. Alors, la procédure là qui va vous permettre d'obtenir le dossier, le papier au Portugal, c'est la procédure qui a pris fin aujourd'hui. Je dis bien, a pris fin, pas aujourd'hui, mais hier. Hier, c'était le 3. Aujourd'hui, c'est le 4 que je fais la vidéo. Donc, la procédure a pris fin. Pourquoi Parce que d'autres pays n'ont pas cette possibilité. C'était justement le Portugal. Parce que vous pouvez venir légal et vous cherchez un travail, quelqu'un vous donne le travail, vous faites la manifestation d'intérêt, vous avez directement les papiers. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé que la procédure a pris fin. Alors, je vais expliquer pourquoi. Le gouvernement a pris mettre fin. Pourquoi Parce que. Vous savez très bien la situation de renouveler les documents, de prendre les rendez-vous, et tout ça, c'est un problème sur Portugal. Et dû à tout ça, le Portugal a plus de 4000 procès en attente. Et ces procès-là, donc, font à est ce que le personnes puissent avoir les difficultés de renouveler, vu qu'il y a beaucoup de personnes sur la file d'attente. Et Aïma informe que. Plus de, euh, de 5 000 procès de demande de, 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 de carte de séjour, de documents de résidence, ils reçoivent chaque semaine plus de 5000 Alors, imaginez vous vous venez, vous, vous allez aussi faire la manifestation, vous allez aussi faire la demande, vous allez aussi être dans la file d'attente. Alors, le gouvernement, comme il est entré d'eux... Terminer avec ce qu'on appelle l'immigration illégale, terminer avec ce qu'on appelle donc, euh, les, euh, le temps, donc beaucoup de temps d'attente pour avoir les documents, il est en train d'organiser que vous connaissez bien que le gouvernement, c'est un nouveau gouvernement. Alors, il commence à travailler de ces manières. Alors, il a pu maintenant décider par plus de 45 actions qu'ils vont faire pour actualiser la loi au Portugal sur euh, la résidence, tout ça sur l'immigration. Plus de 45 euh, actions qu'ils vont prendre. Ce qui fait partie aussi de ces 45, c'est la manifestation d'intérêt qu'ils ont déjà commencé à, à, à travailler sur ça. Donc, ils ont déjà travaillé sur ça. Alors, ils ont décidé de mettre fin à tout ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer Ici, je vais expliquer clairement que c'est lui qui va venir ici au Portugal. Pour obtenir les documents, donc ça sera où vous venez ici avec un contrat de travail, où vous venez ici avec le visa de recherche d'emploi, ou encore vous venez avec ce qu'on appelle le visa CPLP. Alors, ces pays-là qui, qui ne font pas partie de la communauté CPLP, n'ont pas besoin d'obtenir le visa CPLP. Donc, le visa CPLP, c'est justement pour les pays qui parlent la langue portugaise. Alors, pour les pays qui ne parlent pas la langue portugaise, ils peuvent, obter, euh, ils peuvent euh, obtenir le visa euh, de travail ou visa de recherche d'emploi. Alors, à travers ces deux visas de travail et de recherche d'emploi, lorsque vous venez ici au Portugal, là, vous aurez directement... Euh, la possibilité de demander la carte de séjour. Si c'est le visa de recherche d'emploi, lorsque vous avez votre contrat ici au Portugal, vous allez demander la carte de séjour. Si c'est le visa de travail, donc lorsque vous venez pour travailler, vous avez déjà votre carte de séjour. Alors, si c'est le visa CPLP, le visa CPLP, ça prend le durée d'une année. Et lorsque vous avez votre travail aussi, vous pouvez aussi changer le visa CPLP pour une carte de séjour normale. Alors... Moi, je vis en France. Moi, je vis en Belgique. Moi, je vis, je ne sais pas où c'est. Donc, je passais par Maroc, traversé je traversais l'océan, je fait ceci, cela. Je suis ici dans ce pays, ici, je ne sais pas quel pays illégal. Mais je viens, je vais me régulariser. Je vais venir au Portugal. Qu'est-ce que je peux faire pour me régulariser? Bon, vous devez savoir que vous êtes illégal. Vous voulez venir au Portugal? Donc, il n'y aura plus maintenant cette possibilité-là qui était. Venez chercher du travail, faites la manifestation d'intérêt. Il y aura plus cette possibilité-là. Bon, Joël, moi, je le visa de tourisme. Je pense venir là-bas et rester. Qu'est-ce que je peux faire pour obtenir le, le papier Dans ce cas-là aussi, vous êtes illégal. Vous n'aurez pas aussi la procédure qui était de faire la manifestation d'intérêt. Vous allez rester. Non. C'est terminé. Alors, pour tous ceux qui ont déjà. Les manifestations d'intérêt qui ont déjà plus de deux ans en attente, qui ont eu plus d'une année en attente, qui ont plus de six mois, deux mois en attente, il faut savoir que vos manifestations d'intérêt sont toujours valables. Ils sont toujours valables. Donc, pour tous ceux qui comptent faire aujourd'hui le 4 juillet 2024, c'est déjà fermé le site où vous pouvez mettre, donc euh, votre, soumettre votre demande de manifestation d'intérêt ne fonctionne plus. Donc, vous ne pouvez pas. Ceux qui ont fait leur manifestation d'intérêt hier, le 3 juillet 2024, ils ont eu la chance, l'opportunité, la dernière opportunité. Mais ceux qui viennent aujourd'hui, le 4, donc le site est déjà fermé. Vous ne pouvez pas faire le, la manifestation d'intérêt. Alors, qu'est-ce que ça va nous arriver? Ce qui, qui, qui va vous arriver, c'est la même chose qui arrive pour tous ceux qui vivent en France, pour tous ceux qui vivent en Allemagne, pour tous ceux qui vivent d'autres côtés. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire, vous êtes illégal, vous voulez vous régulariser au Portugal, vous n'aurez plus, la, comme je viens de le dire, vous n'aurez plus la possibilité de faire la manifestation d'intérêt ou vous devez passer sur ce qu'on appelle la demande de l'asile. Parce que vous êtes illégal. Vous voulez vous régulariser là, la solution c'est justement passer par l'asile. Sans cette solution, vous n'avez plus d'autres solutions. Alors, d'autres choses pour venir ici au Portugal, le gouvernement a obligatoirement exigé que le visa de travail va commencer à se donner à l'extérieur à partir d'un contrat de travail. Comme ça, s'est fait déjà donc le visa de travail faut obtenir avec un contrat de travail. Donc, c'est-à-dire vous allez aussi obtenir le visa avec un visa de travail. Vous ne pouvez pas obtenir un visa de travail avec, euh, sans, sans, visa, euh, pardon, sans contrat, sans rien du tout. Donc, ça sera toujours obligé avec le contrat de travail ou promesse de contrat de travail ici au Portugal. Et pour la procédure avec le visa de recherche d'emploi, ça continue toujours la même chose. Mais le plus inquiétant, le plus qui nous fait mal, c'est ce que je, vous, je, veux, je viens de vous expliquer. Parce que la procédure de manifestation d'intérêt, c'était la chose la plus facile pour vous régulariser au Portugal. Prévenez, moi, je suis l'exemplaire. Après avoir quitté l'Allemagne, la, tout ça, et lorsque je suis venu, j'avais passé aussi par là. Donc voilà. Alors... Il n'y a plus maintenant moyen de faire. Je ne sais pas si vous avez encore des doutes par rapport à ça. Donc, veuillez laisser votre commentaire. Je vais répondre à votre doute sur la euh, sur le commentaire. Si vous avez encore des doutes, vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est, c'est quoi, pourquoi ça, laissez toujours dans votre commentaire. Et s'il y a toujours des nouvelles, je passerai ici pour vous informer. Donc, c'était la vidéo que je voulais vous expliquer par rapport à ce qui. En train de se passer sur Portugal par rapport à la manifestation d'intérêt. Alors, je vous dis au revoir et à tout bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!